Salut les amis, salut, c'est les amis Queen Grenier. Les amis qui sont dans la place. On a bien eu Gamer Z. Salut, hey, c'est moi. Je les ai croisés et peut-être que j'aurais pas dû les croiser, ils ont tout pris avant moi. Ouais. T'es arrivé avant lui, t'es arrivé bien plus tard que nous. Ouais, oh, Gamer Z. On est arrivé avant lui et tout. On l'a bien eu, bien sûr, le compte rendu. Du vide. Comment tu fais les mangas déjà? Ouais, après, 1,50€, mais je te fais un prix. Ça me... J'en ai d'autres, je crois, dans la voiture. J'ai des BD aussi, pas cher. Il y a des jeux là? Il y a 10 jeux. Je fais 20 balles au tout. 1€ le lot. 1€ le lot, ouais, c'est vrai. Allez, tiri, tiri, yamsi, village people, là, là. Moi, j'aime ce qui est. On va faire la parodie. J'aime grimper. Si vous voulez qu'on fasse la parodie, moi j'aime skier, dites-le nous en commentaire. Bon, on vous laisse. On va faire le contrôle du pouce. Ouais. La légende continue. On n'est pas allé pour rien au vide-grenier, c'est bien. Ah oui, survive. Yeah, yeah. Dur, dur ce matin. Après le vide-grenier de hier, quoi, c'est levé. C'est pas, je ne suis même pas couché, j'ai dû dormir 2 heures. Et aujourd'hui, il est 6h40. 6h40 à peu près. 40 piles même. 40 piles. Sans regarder, hein, j'ai fait les gars. Ouais. Et 40 piles. Vas-y. Bon, bref, on va pas. On est dans un vide-grenier. Comme d'habitude, à Saint-Nicolas. 6h40. Et on va voir ce qu'on trouve. On sait jamais. On verra bien. La dernière fois, c'était pas mal. On n'a pas trop dépensé, mais des bonnes choses. Et là, ça va être pareil. Il faut pas trop qu'on dépense, qu'on trouve des belles choses. Voilà. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Allez, on y va. À tout de suite pour les images. Je rejoins Patrick. Vite, vite, on va chiner. C'est prêt. Il n'y a pas trop de monde, mais... On va voir ce qu'on trouve. Si on trouve rien ici, on ira à Magic World. Combien les BD? 2€. Combien? 14, ça fait 1,40. Saturé, mon fils.
Je suis prêt ici. Il y a un de tes caractères ? Je suis là, voilà. Je suis là, c'est bien. C'est pas la personne. Là. Si, elle est là-bas. Là. Si, elle est là. On m'a demandé. Combien le vinyle? Oui, mais bon, j'ai pas encore. Oui, non, mais tu dois venir. Je ne l'ai pas forcément vendu. Voilà. Oui, non, mais c'est bon. C'est combien le disque? Je vous laisse à 15. Putain, c'est celui-là, il est 73. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. On n'en trouve plus. Non, non, non. J'ai au moins 50 ans, moi. C'est pas moi. Ouais, c'est vrai que je le vendrai de suite. Mais tu fais les mangas déjà? Ouais, 1,50€, mais je te fais un prix. Ça me... J'en ai d'autres, je crois, dans la voiture. Ouais. Je fais un prix. Hein. J'ai des BD aussi, pas cher. Y'a des jeux là? Ouais, les jeux, je fais un prix aussi. Hein. Y'a 10 jeux. Je fais 20 balles au tout. Tout ouais. Ça, il y en avait. Ouais. Vous voyez, les mangas, c'est pareil, je te fais un prix. Mais j'en ai d'autres, des jeux, là. Je crois que je dois avoir beaucoup. 1, 2, 3. J'ai ce pop là. C'est pas mal. C'est une Walt Disney. Ah oui, celle-là. Après, j'ai des trucs, hein, je vais sortir. Ouais. J'ai plein de trucs. Ah, il les a toujours, les pop-ups. Ouais, ouais, ouais. Et One Piece. Ouais. Ouais, mais je vais prendre. Tu fais un bon client, ça va, c'est. Du manga. Hein. T'as d'autres mangas encore? Je sais pas, faut que je déballe là. Ouais, je sais pas ouais. Ce que j'ai. Je vais déballer. Hein. Ouais, je vais déballer. Tintin, 1970. Ah ouais. Comment tu fais ça? Ah, c'est 3 euros pièce. Ouais. 3 pièces. Ah ouais, oui. C'est des vieux 75 du premier. J'en ai même pas dans la collection. Ah ouais, 3 euros, c'est pas cher. Ouais, je vais la prendre, même s'il y a ça à recoller. Elle est un peu abîmée. J'ai pas celle-là. Non, on a pas. Ça. Le manga, c'est pas grand. Les jeux, non, c'est pas. Hein? Les jeux, c'est pas terrible. Si, il y a Mario, carte. Ouais, Mario Kart. Ouais, Mario Kart, j'ai le volant. J'ai le volant avec. Ouais. Mais celui-là, il est neuf à l'intérieur, l'autre. D'accord. Ouais, moi aussi, hein. Ouais, 20 balles. Ça fait cher. Ça fait quoi, ça? Ça fait 10 euros le jeu. Non. Il y en a 10. Là, j'ai un lot de disques à 5 euros. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais. Hein. Regarde, mets-le. Ouais, ouais. La boîte du volant, ça sert, c'est pas courant. Ouais, c'est lié dedans. 5 euros, ça. Je sais pas. On avait trouvé à 2 euros. Enfin. Ah oui, c'est comme ça. Ouais. Il y a le jeu dedans? Ouais, il y a le jeu à l'intérieur. Ah, ouais. Ouais. Non, après, c'est la version ouais, en petit là. Ouais, et là, j'ai le volant en boîte aussi que je file avec. Ouais, il est dedans. Hein? Il est dedans ouais, déjà. J'ai encore une boîte d'accord. Avec le volant, oui. C'est ouais. Tout neuf. Ok. C'est bien de les avoir en bois. Attention les figurines. C'est juste que je trouve. Ça, je trouve les livres. Ouais, ça, 3 euros, c'est pas cher. 8 euros, ça. Ouais. Ouais. Et regarde sur Internet, tu vois. Ouais, ouais. 8 euros, pourquoi pas. Il y a encore des mangas. Ah oui, il manque bien. Vous avez vendu hier?
Ouais, bon, on a pas mal vendu. Pas terrible. Ah, c'est trop dur. Ouais. Mais il paraît qu'il y a un mec qui a sorti plein de consoles de jeux. Putain, ah oui, il y avait les collections complètes, le mec. Il avait une PS3 en boîte. Oh, putain, il a vendu 40 balles. Putain. Ils ont fait des bonnes affaires. Vous êtes arrivé trop tard ? Non, on n'est pas allé, mais il y en a un coconnet qui nous a dit que... Il avait des caisses entières et tout. Oui, il avait des trucs sympas. Des trucs de malade. Si, j'ai foutu ce volant. Il vendait toute sa collection, le gars. Putain. Non, pas sa collection, le restant de son magasin. Le restant de son magasin, je sais plus. Ah, d'accord. Ouais. C'est encore mieux ça. Ah ouais. Putain, ça c'est le top. Hein. C'est ça. Tu sais que je l'ai mis sur ce putain de boulot. Je l'ai, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu cherches ? Mon volant, le volant de la. Ah, le volant, ouais. Je l'ai. Mais. C'est pas où j'ai foutu. Les BD. Hein. Ouais, bah je vais voir avec lui. Ouais. Ça. Mais combien tu fais? Ça, je vais prendre. Okay. Comme ça. Avec la voiture. Avec ça. Si je l'ai mis, ce putain de volant. Ah ouais. 35. Ouais. Tu laisses à 1 euro pièce, ça fait 50. Ouais. Là, t'as 50. 50, ok. 50, hein. Voilà. Ouais. Mais ça, pareil, si tu prends le lot, tu peux faire 15 euros les 10. 15. Ouais, les 10. Et il y a ça aussi, je te donne ça avec, parce que c'est pas regarde. On m'en bat les couilles, là, je suis là pour débarrasser. Hein. Ouais. Là, c'est pas sa boîte d'origine. Ouais. Je les donne avec, hein. Ouais, ok. Ça, il est bon. Ouais. Celui-là, il est bon, et celui-là, il est bon aussi. Tu fais 15 euros le tout. Ça fait 65. Ouais. Je file un sac pour tout mettre dedans. Ouais, ok. Tu prends ce sac-là et celui-là, et celui-là aussi. D'accord. Je pense qu'il le revendra 2 euros, ça fait un peu de... Ah ouais, moi cette fois-là, j'ai pas assez de place pour aller là-bas. 65. Allez. Plus de poids là. Ah ben, putain, nickel, je vais compter. Au coin, toi quand même. Ouais. Bon, j'ai fait plier. Deux. Ouais. Ouais. Comment il fait le. 10 euros. 10. C'est une pendule qui. C'est, en fait, c'était à. Ouais. Ça vient du Japon. J'ai mes enfants, j'ai régulièrement au Japon. Bon, ah ouais, ok, ouais. Tout ça. Putain, j'ai pas vu. Ouais. On a rencontré Gamer Z. On est avec Gamer Z. Salut, hey. C'est moi. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Je les ai croisés et peut-être que j'aurais pas dû les croiser, ils ont tout pris avant moi. Ouais. Une fois de plus. On est vu plutôt que lui. La légende continue. Bon, bah on vous laisse. On fera le compte rendu. Pouce. Ouais. C'est le compte rendu. On a bien eu Gamer Z. Ouais, il a tout piqué, on est arrivé avant lui et tout. On est arrivé avant lui, il est arrivé bien plus tard que nous. Ouais. On l'a bien eu. C'est bien sûr le compte rendu du vide-grenier qu'on a fait avec Gamer Z. Ouais. Pas mal de bricoles sympathiques. On a dépensé À peu près 70 euros au total, je crois. Un peu plus que 70. Avec les 4 Pokémon, c'était combien ? 72 ou quelque chose comme ça. C'est 73 euros. 10 centimes la carte. Ouais. C'était rien pour un 40. Ouais, c'est alors, un lot de cartes, elle a commencé par ça. Ouais. Alors, un petit déflaisant de 2022 de Pokémon Go. Je sais pas si on verra bien parce que c'est trop lumineux du coup. Ah, oh, si, quand même, on y voit. Fais l'inferno. Je suis bronzé, hein. Je suis pas allé à la plage encore. Fais l'inferno. Si je joue au tennis. Un petit Salamèche de 2020. 2020. Ah oui, il y avait quelques anciennes cartes aussi. Ouais.
Échange de 2010, c'est un dresseur. On était en promenade, et qu'est-ce qu'on trouve, ça? 10 centimes la carte. Je crois que c'était le jour férié, ou un jour qu'il avait plus, je sais plus. Il avait plus la veille, oui. Oui, voilà, c'était ça. C'était pas le jour férié, c'était... Il avait pas plus. Le jour férié, non. Il avait plus la veille. Cobaltium. Ou alors si, c'était le jour férié, ça. C'est et qu'il avait férié. Plus. C'est ah, les ouais. Deux. Ouais, les deux, peut-être. Ouais. Ça ouais, fait un moment, les gars. Oui, ça fait une vidéo qui... Ça fait deux semaines. On fait... Les... On est en retard, mais... Berser 4 de Galard. Donc bon, j'ai bien cherché dans le classeur et tout, bon... J'ai pris vraiment... Il y en a une deuxième. J'ai pris vraiment tout ce qui était à peu près pas mal. Un petit Magerma. Magerna. Volcaropod de 2020. Déflaisant encore. Déflaisant. C'est la même. Hop. Oui, messire. Tu dois dire oui, messire. Oui, messire. Voilà, encore deux cobaltium, voilà, c'est des récentes. Et là, une petite reverse, bon. Oui, messire Patrick. De 2023. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Non, pas comme ça. J'ai pris ça au début ça parce que je pensais ne rien trouver. Ouais, au début, on se promenait, on trouvait rien. Que dalle. On s'est dit, oh, on va rien trouver. Après, Patrick, il dit... Sauf s'il y a part... le... Sauf s'il y a le stand de d'habitude. À part s'il y a Titi, on ouais. Te salue. On a tout acheté chez lui. Hein. On a presque tout acheté chez lui. Dédicace à toi. Hein. Merci. Et d'ailleurs, on avait vu GamerZ quand il est arrivé. Là. On était en train de regarder. On avait fini chez Gamer. Chez... Et. Et. On avait fini. On était en train de regarder notre stand, l'horloge. Il arrive à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. L'horloge. Qui est où d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a eu, oui. Alors, on a eu des jeux. On montre les jeux maintenant? Ou d'abord les mangas? On montre les mangas d'abord. D'abord les mangas. Ah, c'est sympa les mangas. Alors, on a eu tout ça. On vous dira le prix à la fin. Tout le lot, on vous dira tout à la lot. Fin. Le lot complet. Hein, ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, il y a des jeux, il n'y a pas les bons jeux dedans, mais... The Promised Neverland, oui, mais on m'a donné. On discutait avec lui, on regardait, alors, combien tu lui ferais les mangas, et il a dit, ouais, si tu prends tout, je te fais 1€ pièce. Naruto numéro 62, c'est intéressant, ça. 62, c'est un... Ouais. Promised Neverland, numéro 3, cette fois. Numéro 3. Alors, il y a des beaux My Hero Academy. Numéro 23. Moi j'en prends aussi. Kuroko Basket. C'est du basket. Il joue au basket. J'en c'est ai un peu deuxième. Comme Olivier Tom. Mais donc on basket. A le numéro 1 et le numéro 2. Voilà. Toi t'as quoi toi? Demon Slayer. Le numéro 1. Ça c'est bien. Eh ben moi j'ai Tokyo Ghoul. Le numéro 1, le numéro 4 et il y en a d'autres, je crois. J'ai One ouais. Piece. Il y a le numéro 2 aussi. Il y en a deux. One Piece. Le numéro quoi? Le numéro 1 et le numéro 54. Et le numéro 1. Ça y est. Encore deux fois le numéro 1. Deux fois le numéro 1, j'avais même pas fait gaffe. Ah ouais, mince. Pas grave, le prix qu'on a eu, bon. Ouais. Après, on a eu encore des Naruto. Naruto numéro 1. Demon Slayer quoi. Demon Slayer, ouais. Je sais pas sur la c'est pas le même ou... Je sais pas. Je crois que c'est celui que j'ai mis déjà. Oui. On le dit c'est deux fois, grave. Nous, c'est bien. Hein. On a le My Hero Academy. On le remontre encore. On en a eu combien de mangas? Oh, une cinquantaine. Hein. Donc, le My Hero Academy, on a le numéro 22 et on avait le numéro 23. Et on a le Dragon Ball Super. Dragon pardon. Ball. Oui, elle passe sa feuille de la jaquette. Le guerrier de l'univers, le 6. C'est le tome 1. On a eu ça.
Après, on a eu des BD. Les BD. BD, 1 € pièce aussi. Bon, il y a des trucs pas terribles. Il y en a plein en double. Il y en a plein en double. Ah ouais. Oui. Celui-là, il est en 4 fois. Ah ouais, mince. J'ai pas fait gaffe, ça. Si, j'avais fait on gaffe. On l'a même pas regardé. J'ai fait gaffe après, si, mais bon, c'est pas grave. D'Entracon. Il est con, celui-là. Il en a 4. Non, il est pas bête. Il est pas con. Ça, 4 fois. Ah, je t'avais dit qu'il restait pas beaucoup de batterie dedans. Quand même. Non, qu'est-ce que t'as fait? T'as enlevé mon fil. Mais oui. Mais oui, mais il y a 2 prises. Non, c'est pas allez, ça. Allez, vas-y, ici. T'appuies sur le mauvais bouton. Là. Mauvais bouton. Mais fais-le, vas-y. On y revoit. On n'y voit plus, on y voit. Donc après on a les profs, les gendarmes, les pompiers. Ouais, c'est pas mal comme idée. Cette compilation contient des extraits des albums suivants. Ça coûtait 1,99€. Les pompiers et les gendarmes. Dofus. La famille Roublard. C'est Dofus Mag. Ça coûtait 10 balles, ça. 9,90€. 9,90€ ça coûtait, ça. Ouais, 10 balles, quand même. C'est pas mal. Non, en magazine, surtout pas en brochet. Alors, mais... le grand livre du dessin en manga. Ouais. C'est pas mal, ça. Ouais. Regardez un peu ce qu'il y a dedans. Un peu comme ça. Ah ouais, c'est... Oh, il montre les dessins. Comment on fait le dessin. Ouais. C'est pas mal. Il y a un poster offert. On a... toujours le poster. Non, je crois pas. J'ai vérifié, je crois pas. Non. Non, il est plus... Ah, ah si, pardon. Si, il y est. C'est ça. Non. Ah bon? Oui, il est collé. Il est collé. Ouais. Mais il faut le décoller. Oui, mais non. Laisse-le comme ça. Le poster, hop, il se ferme. C'est... Je sais un pas truc de manga. Oui, oui, une fille de manga. Ça date de 2010, hein. Non, c'est pas mal, belle trouvaille. Voilà, c'est bien, c'est encore collé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? 9 tigres de Xiao Wei, numéro 1. Numéro 1. Et il n'y aura pas de... Simplement. L'énigme M plus S. Mystère. Et boule de gomme. On a le chant des Stridge. Saison 2, défi. Moi aussi, je veux que je suis. Ouais. 60 ans d'aventure avec Astérix. Ouais, c'est l'album Panini. Non, c'est l'album Panini. Il y en a qui sont collés encore déjà. Non, mais il est complet, papa, je t'explique. Ah, il est complet. Mais j'ai tout regardé, il est complet. Ah ouais. J'en avais jamais eu un complet. Ah ouais, super. Il y a toutes les... Ouais, oui, il ouais. Y a même toutes les filles. Regardez, les... C'est tout complet, ouais. Les affiches dorées et tout. Les... Ouais, c'est bien, hein. Les étiquettes dorées et tout, il y a tout. Il y en a juste une qui est mal cadrée, c'est tout. Le coquin de Coquer, c'est beau les billes. Bon, il est abîmé, là. Hein. Voilà. Passe-moi le ciel. Passe-moi le ciel. C'est quoi, ça? Tiens, attends, attrape-le. Tiens le ciel. Passe-moi le ciel, ok. Tiens. Au suivant. Passe-moi le ciel au suivant. Je connais pas, ça. Passe-moi le ciel, ouais. Il y a Titeuf. Avec sa mèche. On dit qu'il faut être gentil avec les filles. Deux fois le même bidochon. Alors. Le bidochon, ouais. Ils sont pantouflards. Voilà. Cœur cerise. Wow, ça les va. Filles au chocolat. Vous voulez voir l'intérieur?
Moi aussi. C'est le bébé, hein. Regardez. C'est pas mal, hein. Là, on a une BD pas mal. C'est quoi? 13, oui. 13. Spads. Le numéro 4. Voilà. Ça, c'est une bonne BD. Ça, c'est une belle BD, oui. Voilà. Petit œuf encore. Et le derrière des choses. Le 5. Ah oui, mais il regarde les fesses des dames. Scène de ménage. Avec Raymond et Huguette. Oh là là, quelle rigolade. Ouais. Et le dernier. Attends, c'est le numéro combien? Le numéro 2, ça. Le dernier BD. Je sais pas. C'est l'élève du Cobu, ça. Confisqué. L'élève du Cobu, oui, non, mais c'est quel numéro? Je sais pas, il y en a qui n'a pas marqué. Pas marqué. Ah, là. Le 16, oui. 16. Comme d'habitude, il s'est regardé. Il a eu 16 sur 20. C'est une bonne note. Ouais, ouais. Il a eu 16 fois 0, tu veux dire. Hein. Après. Ensuite, on poursuit. Il nous a fait 1 euro le lot. 1 euro le lot, ouais, c'est vrai. Des vinyles. J'ai pas envie là, de réfléchir. Moi j'aime skier. On va faire la parodie. J'aime grimper. Si vous voulez qu'on fasse la parodie, moi j'aime skier, dites-le nous en commentaire. Moi j'aime jouer au tennis. Adilila, tita, tididila, j'aime grimper, jouer à la console. Julien Clerc. Julien Clerc, on y voit clair avec lui. Ouais. Phil Collins, Stevie Nicks, Peter Gabriel, Big Country, Mike Rutherford, Kid Creole et Coconuts, Larry Carlton, Michel Colombier, Against All Falls. Il y est dedans, oui, il y est. Ouais. Voilà. Francis Lalanne. Non, mais il y a tout dedans, hein, papa. Pas besoin de vérifier. Hein. J'ai tout vérifié. Rentre chez toi. La 8h, papa a giflé maman. Je suis qu'un vieux camionneur. La maison du bonheur. Marteau piqueur. J'ai de la boue au fond du cœur. J'ai 20 ans. Je connais pas ces titres-là. France Gall. Des branches. Débranche tout, revenons à nous. Aïe caramba! Aïe caramba? Non, caramba. Aïe caramba! Aïe aïe aïe! Double caramba! Disque. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Regardez l'image derrière, c'est pas mal. Deux petits Latino. Enfants. C'est Julien Clerc. C'est Julien Clerc. Lui, c'était Julien Clerc à l'Olympia. Ouais, tiens, vas-y. Moon Martin. Il y a plein de titres. C'est Julien Clerc. On y va, Claire, avec Julien. Cliff Richard. Je connais pas celui-là, un inconnu. Hein. Lalanne. Love Song. Mai 86, Lalanne. Francis Lalanne. Ah ouais, c'est là qu'il chante, non? Mai 86. Mai 86. C'est pas là qu'il chante son tube, hein? J'en sais rien, moi. J'ai pas l'impression, hein. Papa, les petits bateaux, la lila. Oui, c'est pas mal déjà ça. Je sais pas si c'est ça. Hein. Bah, je sais pas. La maîtresse du temps. Adieu maintenant. Le bal des sirènes. Ah, attends. Moi, je connais. Pense à moi comme je t'aime et le nous délivrera. Julien Clerc en 76. Da, 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 da. Francis Lalanne, j'aime bien cette chanson. Julien Clerc, il y en a marre. Il n'y a que Julien Clerc là. Il commence à me sortir. Regardez encore les... Julien Clerc. Par les... C'est Julien Clerc. Par les trous de nez, lui. Hein. Il y en a encore un. Là. Encore un autre. Niagara. Là. Niagara. Qui chante? Non, Niagara. Il chante Niagara, je sais pas. Bon, Niagara, c'est le groupe que je connais, mais. Après, alors... On continue, on a eu ça. Oui, non, mais ça, on expliquera plus tard, c'était après. Les jeux.
Alors, les jeux, on a eu... Bon, ça, c'est un jeu commun. Oui, mais... 2013. Il y en a qu'on a eu gratuit, hein. Oui, oui. Est-ce que c'est le bon jeu dedans, ouais. Ouais, oui. Pour une fois, c'est le bon jeu, celui-là. Quand c'est des mauvais. Oui, mais non, mais il m'en a donné. Oui, t'en as donné, d'accord. Quand est-ce qu'il faut que je te le dise? Super Mario! Non, c'est pas Super Mario dedans, là, les papes. Skylanders. Donc ça, c'est ce qu'il m'a donné. Je vais te dire encore ce qu'il m'a donné, comme ça, au moins. Transformer, mais c'est pas Transformer, c'est... Call of Duty World at War. Avec la notice de Transformer, quand même. Ah oui, notice. Vas-y, montre un peu les jeux, toi aussi. Oui, non, mais... Tu veux faire ce qu'ils ont été donnés. Attends. Oui, oui, non, mais pas forcément. On a Destroy of Human. All Human. Just Dance. Avec Just Dance à l'intérieur. Non, mais j'aimerais bien montrer tout ce qu'il nous a donné. D'abord, vu que tu as commencé. On a la boîte de Ratatouille. Avec deux Just Dance 2. Just Dance 3. 3, pardon. Il faut lire. Il n'y aura pas deux, il y aura juste 3. Ça, c'est offert aussi. Just Dance, il est complet à l'intérieur. Ouais. Moi, j'ai... Je pense que c'est bon, après on les a payés. Cards. Il n'y a pas la notice. Mais ouais. C'est bon jeu. Cards Racerama, ouais, c'est ça. Racerama. Parce qu'il me semblait la pochette. C'est fait, ça? Non, c'est pas fait. Après, Sport Island. Celui-là, il est complet, tiens. Il y a plein de sports, du volley, du snowblade, du snow, du tennis. C'est quoi ça? Je crois que c'est du curling. Oui, il y a le curling. C'est marqué tous les trucs là. Ah oui. Badminton, karting, curling, oui. Snowboard. Snowboard. Snowboard, c'est le nouveau jeu. C'est du snowboard. C'est du snow, mais blord. Enfin bon. Ouais, ouais. Basket. Beach volley. Ouais, c'est pareil que... Il y a du super cross. Ouais. C'est pareil que le volley, mais sur la plage. Et le football. Le football. Combat de dinosaures. Combat de dinosaures. Combat de géants dinosaures. La boîte est un peu abîmée, bon. Regardez, maîtriser pas complet. L'arme ultime. Wolverine. Wolverine. Il est complet celui-là? X-Men Origins, oui, il est complet. Ah oui, putain, super. Ouais. C'est le bon jeu en plus. Bien sûr. Sniper Elite. Complet. Mario Kart, mais Mario pas complet. Kart. Il y a juste le jeu. C'est pour ça que j'ai acheté le lot, du coup. À la base. Mais c'est un bon jeu quand même. Ouais. C'est du Mario. Et le dernier jeu, PlayStation 2. Medal of Honor, Soleil Levant. Ouais, non, c'est pas le dernier jeu. Ah bon, oui, il y a encore en loose après. Le jeu en boîte, c'est le dernier. On a Narnia. On a quoi d'autre? More training. Oui, c'est le truc entraînement cérébral. Entraînement cérébral, ça c'est. Je le faisais. J'étais très fort à la couleur, moi. J'étais très très fort, très rapide. Star Wars 3, Lego. Pas mal. C'est quoi? Il y a plusieurs jeux dedans. Oui. Ah ouais. Ouais, je pense. Yeah. Oui, mais bon. Attends alors. Attends. Ninjago. C'est le jeu 3DS. Ninja, mais go. Heureusement que je te dis attends. Oui, mais tu vas. Alors, il y a les animaux. Fantastiques. Non. Je sais pas ce que ça veut dire. Pony Club, oui. Club des poneys. Ah, ouais. Alexandra, non. Alexandra. Enfin, bon, il y a trois trucs par rapport au Pony Club, là, je sais pas quoi. Là. Ouais. Bref, de toute façon, c'est un jeu de chevaux. Tiens, voilà. Ça, donc ça. Et ça. Il y a eu. Oui, ça, avec le. Tiens, prends celui-là, toi. Ouais. On a eu en boîte le volant avec le jeu Mario Kart. Et un volant offert aussi. Et un volant offert avec.
Et donc il y a le Mario en version cartonnée. Ouais, mais il sort pas tout. Il y a la notice. Oui, mais bon. Après, il faut le remettre tout ça. La grosse notice, un pavé. Je sors pas, tu me dis qu'il faut garder le jeu, je sais pas. Oui, non, mais juste le jeu. Il est où? Je sais pas non, où il est le jeu. Il est dedans. Hein, mais... Oui, il est enfoncé là. Voilà, pour le prendre, c'est dur. C'est bon, on fonce pas. On le sait qu'il y a le jeu dedans. Oui, mais je sais pas, tu commences à sortir. Ah, oui, mais je voulais juste te montrer ce qu'il y a dedans. Mais... Le jeu. Il y a bien le CD. Il dépasse. Tiens, un pavé là. Quelle notice! Ouais. Et celui-là, bon, c'est un volant normal. Hein. Ouais, c'est bien quand même, il est en boîte. Manette, oui, dedans. Et il est en boîte. C'est parti pour les parties de cartes. Les parties de cartes. Le karting? Non, pas encore. Pas encore, comment? Il y a encore un... On a... Il y a encore un truc. Oui, oui. On a eu aussi la voiture. La chauffe, la schtroumpfs. Ni, avec deux schtroumpfs à l'intérieur. Bienvenue dans le monde des schtroumpfs. Voilà. C'est de... C'est un Burago. Ah, c'est difficile. Burago, oui. Scala. Un 24e. Vous entendez la bruit de... La Lamborghini Jetta. Chita. Chita. De 1983. Hein. Voilà, les schtroumpfs. Ouais, elle est belle. Top. Elle est sympathique. Alors. Qu'est-ce que après, c'est bon, on a fait un petit tour. Non, ça, on l'a pas montré. Oui. On a fait un petit tour avec Gamer Z. Ouais, on a bu un coup. Voilà. Et après. Vous verrez sur la vidéo GamerZ qui est sortie il y a l'Empèbre maintenant. On a eu un jeu Star Wars, les aventures animées. Non, pas un jeu. Et non, c'est pas un jeu, c'est un DVD. T'as dit un jeu Star Pardon, Wars. Pardon, oui, dit... j'ai pas fait courir, j'ai pas voulu dire ça. Un DVD quand un je vais DVD, regarder. Les Ewoks. Avec mon neveu. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Ouais, c'est dessin animé, c'est pas mal. C'est rigolo, ouais. C'est mieux le film. D'ailleurs, ce film qu'on a eu après, la première fois qu'on le voit, 50 centimes, il n'y avait pas le jeu dedans. Il n'y avait pas le DVD dedans. Il n'y avait pas le DVD dedans, pas le jeu. Les Ewoks, le film. Les Ewoks, le film, oui. Après, on a eu ça. J'ai piqué à GamerZ. Hein. Voilà. Il a regardé aussi. Parce qu'il était présent, donc. Ouais. Il a voulu, peut-être. Hein, dit, si il nous a pas dit non, tu peux la prendre. Donc, c'est une tirelire. Une tirelire, oui. Game Boy. 3D là, là c'est 3D. Je sais pas si on verra bien. Ouais, ça change. Enfin, bon. De... C'est Paladon de 2016. Paladon Product. Voilà. Belle boîte. Ouais. Toute chromée dedans. Métallisé. C'est tirelire, je sais pas. Ensuite... Ah oui, ça, non. Je fouille dans un truc. Dans une caisse remplie de jouets, juste pour voir. Ouais. Tant que Gamer Z, il regarde tout ce qu'il veut. Il regarde autre chose, lui. Je commence à voir ça. Un truc de rétro, là, pour le Game Boy, là. Le Game Boy, la... Light Master. Le frigo. Excellent, c'est... ça. Rétro-éclairage, voilà. Rétro-éclairage. Rétro-éclairage. Avec. Et je commence à trouver ça aussi. Son. Le cache-pile. Le cache-pile de la Game Boy. Et après, il m'a donné ça avec aussi. Voilà. Donc, ça, bon, j'avais eu pour 2 euros. Bon. Pour 2 euros avec la pochette. Donc, on en a eu pour... Et juste à côté de ce stand, on... juste à côté, on passe. Attends. Qu'est-ce qu'on voit? Tout le lot, on en a eu pour 71 euros. 71, ouais. Voilà. Tout le lot qu'on vous a montré avant. Ouais, 71 euros. Ouais. Tout. Ah non, 74. Ah, il y a ça aussi. Il y a aussi ça. Ah oui, il y a ça, oui. Je voulais pas le montrer, toi, au début. On peut le montrer avant. Mais oui, mais parce que je voulais d'abord faire oui, ça. Oui, oui. Voilà, c'est un casque, bon. J'ai regardé, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais... C'est qu'il y a le micro, il fonctionne pas. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça? Je sais pas. Non, non, c'est parce qu'il y a deux fils. Il y a deux fils, je comprends. Deux fils différents. Il n'y a pas la notice. On sait pas trop comment ça se branche. Il n'y a pas la notice en plus pour moi. Je demanderai peut-être à un collègue. C'est pas évident. Hein. Et après, on a eu ça. Une horloge. Pikachu. Pokémon. D'origine. D'origine. Qui vient du Japon. Ouais, enfin, c'est ce qu'il a dit, mais. Ouais. Je suis pas sûr. 8 euros. Ouais, il y a le truc de pile à changer. Il en voulait 10 euros, le gars, au début. On lui dit, c'est votre dernier prix, ça, 10 euros. Il nous a dit qu'il fonctionnait, mais il fonctionne pas. Il fonctionne pas, non. C'est ce qui me semblait. Il faut le nettoyer, il y a un peu du verre sur les. Ouais, mais bon, il a déjà dû le nettoyer, je pense. Hein. Ouais, je sais pas. Enfin, en tous les cas, ça fonctionne pas. Je pense que ça vient pas du Japon. Hein. Là, ça fonctionne pas, mais ça fait du bruit. Ouais, non, mais bon. Il y en a, ils essaient de l'avoir 400 euros. Hein. Ouais, c'est vrai. 200 au minimum. Et la plupart, ils n'ont pas le Pikachu. Ouais. En plus. Regardez. Le seul qui a Pikachu. Pikachu. Il essaie de la faire 500 balles. Ouais. Non, mais ça, ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent hein, sur Internet. Ouais, non, mais c'est rare. Hein. Ça vaut pas 500 balles. Hein. Il y en a pas d'état. Hein. Oui, d'accord, mais bon. Elle est magnifique. Hein. Elle est belle, ouais. On va le réexposer. Regardez ce rouge éclatant. Où on l'avait mis. C'est Art Déco. On se lève tous pour l'horloge. L'horloge. On vous montre après où elle va. Ça y est, je l'ai posé. Ouais. Le casque, c'est dommage. Sur l'étagère, là. Il s'allume et tout, machin truc, mais je sais pas comment. Il y a deux fils alors, ou trois fils. Comment en sortir? Il y a deux fils. Oui, il y a deux fils, oui. Ouais, deux fils. Donc on sait pas trop. Il s'allume, ça ouais. Ouais, l'éclairage s'allume, mais après je sais pas comment m'en servir. Faut voir avec. Peut-être qu'il saura. Ouais. Mais on a fait le tour. Ça y est, c'est fini. Regarde. C'est fini. La voiture qui parle. Bonjour les amis, je suis la voiture Schtroumpf. Voilà, ben on vous montre où elle est placée la. Regardez. La Pokémon. Je la vois pas bien là. Regardez l'horloge. Elle est belle. J'aime bien son rouge, moi. L'horloge est là. Et moi, je suis là. Et je vous dis, cassez pas les planètes! Mets-nous un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Elle a tiré la première. Où t'es papa, où t'es papa, où t'es.